À 45 ans, Faustine Bollaert est l'heureuse maman de deux enfants, Abby, âgée de 9 ans, et Peter, 7 ans. Dimanche 14 juillet, l'animatrice s'est confiée sur ses quelques jours de vacances avec ses enfants. Son empathie naturelle et sa bienveillance ont fait d'elle l'une des animatrices préférées des Français. Chaque après-midi, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de Ça commence aujourd'hui des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence. Côté vie privée, l'animatrice est également comblée. Depuis plus de 10 ans, elle file le parfait amour avec l'écrivain Maxime Chattam. Une romance qui s'est concrétisée par un mariage le 31 août 2012. Je ne l'ai pas épousée au hasard. Il sait nous construire une vie pleine de fantaisies et de rêves. Lorsqu'il nous raconte des histoires, je ne sais jamais si c'est vrai ou s'il m'embarque dans un conte féerique. Il a le don de rendre le quotidien un peu fou, avait notamment confié l'animatrice au magazine Nous Deux. Quelques jours juste avec mes canailles ensemble, Faustine Bollaert et Maxime Chattam ont eu deux enfants, Abby, âgée de 9 ans, et Peter, 7 ans. Dimanche 14 juillet, l'animatrice s'est confiée sur ses quelques jours de vacances avec ses canailles. Quelques jours à faire du toboggan, du trampoline, à servir des nuggets frites, à mettre de la crème, à faire sécher des maillots, à répondre à 450 mamans. À la minute, à chercher les lunettes, à manger des glaces, à répondre à qu'est-ce qu'on fait là, quelques jours à les porter dans l'eau pour oublier qu'ils sont trop grands pour pouvoir le faire dehors, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Quelques jours juste avec eux. C'est très précieux. Tendre pensée à ceux qui se retrouvent dans ces quelques lignes. Abby et Peter, a continué l'animatrice de 45 ans. Interrogée par Télé Loisirs, elle avait fait quelques confidences sur ses enfants. Si est ma priorité. Si je travaille toute la semaine, je vais éteindre mon portable et n'avoir des moments quasiment qu'avec mes enfants le week-end, avait expliqué Faustine Bollaert. Une maman épanouie. Supérieur à cliquer ici pour accéder à la publication de Faustine Bollaert.